ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que la cornée était fragile et puis qu'elle filtrait pas bien la lumière, justement, et puis qu'elle pouvait se dégrader au point que je puisse perdre la vue. C'est vrai que les gens qui voient les 3D n'arrivent pas du tout à se rendre compte ce que c'est d'être dans un monde tout plat. On dit l'œil, c'est un peu le miroir de l'âme. C'est quelque chose de très important, qui me fascine, qui est toujours différent. Pour chaque personne, chaque patient est différent et c'est très intéressant. L'œil humain est l'un des plus complexes et des plus performants, avec plus de 110 millions de photorécepteurs. Il nous permet de distinguer la lumière et l'obscurité, mais il va surtout beaucoup plus loin. Grâce à nos yeux, nous distinguons les formes, les détails, les contours et les couleurs. L'œil est un organe précis qui se développe depuis la naissance. On est né avec une acuité visuelle très basse et le bébé, dans les premiers mois de sa vie, commence à gérer l'information visuelle et c'est le cerveau qui apprend à interpréter l'image pour augmenter son acuité visuelle. La couleur est simplement déterminée par le canton de pigments qui se trouve dans l'iris. Et les pays nordiques qui ont besoin d'une protection un peu moins sévère envers la lumière ont souvent moins de pigments. Moins de pigments se traduit en yeux bleus. Au-delà des couleurs, tous les yeux ne se ressemblent pas. Certains sont sans défaut, ils sont rares, d'autres pas. Et comme tout organe, certaines maladies peuvent apparaître au cours de notre existence. Le principal défaut est ce qu'on appelle une amétropie qui dit simplement que la grandeur de l'œil ne correspond pas à la grandeur de l'optique qui est intégrée. Si l'œil est relativement trop grand pour l'optique, on est myope et on parle de 1 ou 2 mm. 1 mm de différence de longueur axiale fait déjà un défaut de 3 dioptries. Si l'œil est un peu trop petit, vous êtes en hypermétropie. Et si la surface de l'œil ne correspond pas à une sphère, à un ballon idéal, mais plutôt à un football américain ou un œuf, on est dans un astigmatisme. Les lunettes et les lentilles, et étonnamment les lentilles existent depuis 130 ans, les lentilles de contact et les lunettes corrigent ces défauts majeurs de l'optique humaine, myopie, hypermétropie, astigmatisme. À côté de cela, il existe encore des dizaines de fautes d'ordre supérieur de l'optique qui ne peuvent pas être corrigées par ces moyens. Des maladies connues du grand public comme la cataracte, le décollement de la rétine ou encore le glaucome. Pour dépister les défauts et les maladies de l'œil, les ophtalmologues procèdent à de nombreux examens qui vont de la simple acuité visuelle à la structure même de la cornée. Pour chaque patient, d'effectuer une anamnèse pour commencer. On pose des questions sur le suivi médical de la famille. On effectue un examen de la vue. L'acuité visuelle, qu'est-ce qu'il voit avec l'œil droit, l'œil gauche. S'il y a juste un défaut visuel, myopie, astigmatisme ou hypermétropie. En plus, on fait une topographie. La topographie, c'est un examen de la surface de la cornée, la couche intérieure de l'œil. Là, on peut déjà détecter beaucoup de pathologies, par exemple, entre autres, le kératocone, une pathologie qui se présente sur la cornée. Des autres tests qu'on fait, c'est par exemple la barométrie, la baromètre. Il nous donne aussi des réponses sur des éventuels défauts de la cornée ou bien de la lentille. La lentille, elle est à l'intérieur de l'œil et là aussi, si on a des problèmes, peut être pathologique, par exemple. Dans ce magazine, nous allons nous focaliser sur la chirurgie de l'œil, ses performances dans le traitement de nombreuses pathologies, comme la myopie. Théoriquement, on peut presque tout opérer aujourd'hui. Vous parlez d'un côté des défauts qui sont plutôt des défauts. On parle de la chirurgie de convenance lorsqu'on ne veut plus avoir ses lunettes. C'est la partie de la chirurgie réfractive que le grand public connaît le mieux. C'est comment est-ce que je peux vivre sans lunettes. À côté de cela, on utilise les moyens de la chirurgie réfractive aujourd'hui pour faire aussi toute autre chose comme des transplantations de la cornée dans le cas des maladies, comme le traitement du kératocone, comme le traitement d'autres maladies qui déforment l'optique. Le kératocone, c'est une maladie rare, très invalidante, qui altère la vue de loin comme de près et qui touche principalement les jeunes. Le kératocone est la maladie la plus fréquente chez les jeunes qui invalide l'œil. Et on a en Suisse environ 5000 jeunes atteints. Et le kératocone s'appelle kératocone parce qu'il pousse en avant la cornée.
La cornée s'amincit au centre, peut faire des ruptures et cicatrise. Et cette maladie est autant plus tragique parce qu'elle touche des jeunes qui, souvent à l'âge de 16-17 ans, ont une acuité visuelle de 5 à 10% qui ne peuvent pas être corrigées avec des lunettes ou des lentilles. Alors, ils sont invalidés même avant d'entrer dans la vie professionnelle. Le problème principal chez les patients de kératocone, c'est qu'ils commencent à avoir une vision un peu double, mais pas avec les deux yeux, mais avec un seul œil. Même s'ils ferment un œil, quand ils regardent, ils fixent quelque chose, ils ont toujours une ombre au-dessus. Flavia souffre d'un kératocone. Cette jeune maman, passionnée de dessin, se prépare à une future intervention chirurgicale. Une opération très novatrice qui va changer sa vie et bloquer la détérioration de sa vue. J'ai consulté au départ pour mon fils. Bah oui, bah il a dit qu'il avait des problèmes aux yeux, qu'il avait mal à la tête après les cours, donc je me suis dit, il a des problèmes. Et on a pris rendez-vous toute la famille, donc les enfants, moi, comme ça c'est fait. Et finalement, bah, les enfants, ils n'ont rien, et moi j'ai un kératocone. Madame Dougou souffre d'un kératocone des deux côtés. Cette kératocone était de forme progressive, ça veut dire que c'était pas stable, il avançait. On a effectué des topographies à distance de 6 mois. On a vu qu'il y avait une progression, une péjoration de la pathologie. Alors, le but est d'essayer d'arrêter cette progression. Et dans ce cas, on a effectué une thérapie qui s'appelle le cross-linking. Et le but de cette thérapie, c'est d'arrêter la progression du kératocone. Vous allez bien ? Bien. Oui. Allez-y. Oui. Oui. D'accord. Vous connaissez la les procédure, hein ? C'est la deuxième fois. On a repris un phénomène ou une technologie qui existe déjà en médecine. Par exemple, en médecine dentaire, lorsque vous avez une cavité à cause d'une carie, le dentiste enlève la carie, met une masse encore assez molle et après endurcit la masse avec de l'UVA. On a repris cette technologie et on a réussi à l'appliquer dans un tissu vivant sans changer les propriétés optiques. On endurcit la cornée qui est devenue trop molle à cause de la maladie. L'endurcissement se fait avec de la vitamine B2, la riboflavine et des rayons ultraviolets. On endurcit pendant 5 minutes, après on pose de la pommade antibiotique et une lentille de contact comme pansement. Et la patiente rentre chez elle, elle sera vue tous les jours jusqu'à ce que la guérison soit finale après 3 ou 4 jours. Cette technique, c'est le cross-linking. Elle a été co-inventée par le professeur Affesi à Zurich, mais c'est aujourd'hui au HUG qu'il poursuit ses travaux. J'ai eu la grande chance d'avoir appris ce métier avec l'homme qui a inventé le premier excimer laser et qui a fait le premier traitement dans l'histoire de l'ophtalmologie. Et les HUG, en nom de ma nomination, ont décidé d'acheter le matériel de pointe qui est avec nous depuis quelques mois. Le laser excimer, un matériel de pointe comme ici au HUG, omniprésent désormais dans le quotidien des spécialistes de l'œil à Genève, mais pas seulement. La chirurgie réfractive est la chirurgie qui s'occupe des défauts optiques. Et elle a dépassé en volume mondial la chirurgie de la cataracte en ophtalmologie il y a déjà 15 ans. Aujourd'hui, on opère plus de patients au monde pour des raisons d'optique que pour des raisons de cataracte. La chirurgie réfractive permet notamment, grâce au laser, de corriger certains défauts de l'œil, comme la myopie. La myopie, jusqu'à à peu près 6-8 dioptries de myopie, encore considérée une myopie physiologique. Au-delà, devient aussi une myopie pathologique qui a des autres problèmes, pas seulement un problème de vision, de focalisation, de vision de loin, mais aussi de problèmes au niveau du fond de l'œil, de la rétine et autre chose. J'ai déjà anesthésié la surface avec des gouttes. L'œil est complètement endormi, ça ne fait pas mal, c'est un peu inhabituel, c'est tout. Parfait. Et voilà, ça tire un peu sur les paupières, c'est tout à fait normal. Il faut juste bien relaxer, voilà. Et maintenant, revenir avec le menton, parfait. Voilà. Alors maintenant, Olivier vient la découpe avec le femtolaser. Comme je vous ai dit, ça ne fait pas mal du tout. Tout ce que vous allez sentir est une légère pression sur l'œil. Il suffit de 16 secondes au laser pour procéder à la découpe de la cornée. Le chirurgien la retire et applique ensuite le traitement médical adapté.
Il repositionne la cornée qui mettra une année à cicatriser, mais sans influence pour le quotidien et la vue du patient. Voilà, c'est tout bon. Suite à des greffes de cornée, Stéphanie, originaire de Neuchâtel, est venue ici à Genève pour bénéficier de cette chirurgie réfractive. Une prescription médicale pour réparer ses yeux et donner une autre dimension à sa vie. Avant, j'avais plus du tout les trois dimensions. Donc en fait, je vivais dans un monde tout plat. Le fait d'avoir passé de 8 à 32, ça me permet déjà d'avoir les 3D, ce que je trouve déjà génial. C'était le lendemain, enfin le jour même de l'opération, je voyais déjà une différence. Et quelque part, c'est comme si on avait de nouveau un esprit d'enfant, parce que c'est justement, oh la forêt, ah tiens, c'est drôlement plus joli comme ça, puis bêtement regarder l'herbe par terre, je suis, oh ouais, c'est cool. Enfin, ouais, je pense que ceux qui étaient autour de moi devaient avoir l'impression que j'avais 5 ans par moment. Mais Dans les heures qui suivent, c'est très particulier, puisqu'en somme, la lumière du jour nous dérange énormément, donc c'est port de lunettes, même s'il pleut, et je dirais que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je crois que j'ai pleuré pour toute mon existence, on va dire, dans les heures qui ont suivi, parce qu'on a les yeux qui coulent systématiquement. Yvan, lui, comme de plus en plus de patients, a souhaité, pour des raisons de confort, abandonner ses lentilles. Il a opté pour la chirurgie réfractive en avril dernier et regarde désormais devant lui avec des yeux neufs. La douleur, elle existe quand même. De vous dire que vous avez pas mal, ce serait mentir. Mais je dirais que c'est totalement acceptable. Et à partir du soir, moi je me suis opéré à 2h, à partir de 19h, les douleurs commençaient à s'estomper. Vous avez déjà l'impression de voir, vous ne voyez pas du tout à 100%, mais vous voyez déjà à 70 ou 80%. Et on a déjà l'impression de se dire, c'est incroyable, je viens de me faire opérer et puis je vois déjà. Et je dirais que le grand waouh, c'est quasiment 2 jours après, 1 jour après. Le lendemain, vous avez déjà quasiment une vue à 100%. Vous n'êtes pas entièrement à 100%, mais pour moi qui portais des lentilles, c'était Hollywood. Les techniques actuelles de pointe ne cessent de progresser en chirurgie. Les HUG à Genève sont en cours de création d'une banque de cornées pour favoriser les greffes.